Cette saison sera également marquée par une absence, celle d'un dirigeant qui a totalement incarné son club. Je veux bien sûr parler de Loulou Nicolas, fondateur de la Paillade, devenu Montpellier héros. Hier, le stade de la Mosson accueillait le premier match officiel depuis son décès. Et Loulou était bien sûr présent dans toutes les têtes. Sébastien Heulot avec Niels de Spa. Ça m'a touché beaucoup, ça me touche beaucoup. Et c'est vrai que c'était une journée forte à l'émotion. Maintenant, la vie continue, mais c'est vrai que c'est comme ça tous les matchs, je ne dirais pas la saison. Plus de 14 000 fidèles à la Mosson et un superbe tifo pour donner le ton de cette soirée si singulière. Un maillot noir et ses 6 lettres, Loulou, dans toutes les têtes bien sûr, et floqué dans le dos des joueurs montpelliérains. C'était très émouvant cette minute de silence. J'ai essayé de. Je voulais pas pleurer, mais je vous avouerai que c'était très compliqué. Pour le départ de Loulou, c'était il fallait gagner à tout prix. Et je suis très heureux pour lui. 74e minute. Et la Paillade qui applaudit et qui scande le nom de Loulou Nicolas, lui qui a fondé ce club. Le 5 novembre 1974, et qui est malheureusement décédé le jour de son 74e anniversaire, le 29 juin dernier. Dernière attention, ce portrait de Loulou Nicolas. Les joueurs, le staff réunis pour le voir s'envoler dans le ciel montpelliérain. Oui, mais voilà, ça n'a pas marché. Comme si Loulou voulait encore rester un peu avec les siens. Une toute dernière fois. Même après sa mort, il ne fait pas ce qu'on veut qu'il fasse. Il reste un rebelle. C'est vrai qu'il y avait, beaucoup d'émotions. C'était quelqu'un qui occupait une place à part dans le foot français. Ah oui, il occupait une place à part parce que c'était une énorme gueule. On l'aimait pour son investissement personnel et financier. On l'aimait pour ses coups de gueule. On aimait le détester pour certains de ses excès. Mais voilà, c'était un personnage de la Ligue 1 qui a manqué. En plus, il a eu le mauvais goût de mourir le jour de son anniversaire. Voilà. Montpellier, parce que vous l'avez dit, Nico, ça a été un des moments forts, évidemment, du week-end. Le premier match de Ligue 1 de l'ère post-Loulou hier soir. Les derniers adieux de la Mosson au fondateur du club. On a suivi 4 personnages hier, tous qui ont bien connu Nicolas, avec des rapports plus ou moins proches. Certains étaient des amis, d'autres non. Mais ce qui frappe, c'est que Loulou Nicolas ne laissait absolument personne indifférent. Regardez ce reportage qui est signé Pierre Robin, Benoît Meillan et Thibaut Saint-Georgi. Loulou y était chez lui depuis 43 ans, depuis le début. Pour leur premier match sans Nicolas le lendemain, les ultras de Montpellier préparent un tifo noir en mémoire de leur président, décédé en fêtant ses 74 ans, à Nîmes, leur rival historique. Comme une dernière provocation. Putain, comme on a dit, jusqu'au bout. Hein. Il est allé mourir à Nîmes encore. Jusqu'au bout, il nous fera chier, quoi. C'est Loulou Nicolas, mais ça ne m'étonne pas de lui. En plus, il est parti en mangeant au restaurant. Quel plus bel mot respirer pour lui. C'était soit dans un restaurant, soit dans son stade, en célébrant un but. On l'avait toujours dit. On a dit un jour, il va me canner. Hein. Il va me péter à force de célébrer comme ça. Ses fidèles travaillent leur au revoir depuis plusieurs semaines dans l'obscurité d'un lieu tenu secret. Ça, c'est Nicolas, ça. Il est en train de dire grosse bite, je crois. Des termes crus et polémiques sont péché mignon, comme lorsqu'il critiquait les ultras
trop turbulent à son goût. En fait, Nicolas, il faut savoir qu'on n'était pas en très bon terme avec lui à la base. Mais dernière fois qu'on l'a vu, qu'il nous a parlé, c'était quand les jeunes ont remporté la Gambardella en fin d'année, la fin de saison dernière. Il était là, Nicolas, il nous a dit je suis fier de vous, supporters, faites plus les cons, donc je suis content. Donc on part en bon terme, c'est bien. Grâce à la passion et à l'argent de Loulou, le club est passé de la division d'honneur au titre de champion. Sur leur banderole, ils retracent l'ascension de Montpellier. Là, à droite, c'est Cantona. À gauche, c'est lui, Loulou Nicolin, quand il était jeune. Ils ont la Coupe de France dans les mains, là. C'est en 90 qu'on a remporté la Coupe de France. Celle-là, c'est historique aussi. Il est avec Michel Mézy, comme Michel Mézy était joueur de Montpellier à l'époque. Je peux te dire que là, Michel Mézy avec la moustache comme ça, il était jeune. Le lendemain, l'esprit de communion si cher à Nicolin réchauffe un football qui a su garder, jusqu'en Ligue 1, ses racines de club amateur. Bernard Socorro, fondateur de la Butte Paillade, était devenu un très proche du dirigeant. C'était lui même qui souvent me sollicitait pour me dire, après les entraînements, d'organiser une grillade avec les joueurs. Donc c'était sa façon à lui de créer cette ambiance familiale, que ce soit avec les supporters ou avec les joueurs. Je veux dire, maintenant ils boivent du jus d'orange, mais à l'époque ils buvaient quand même du Ricard. Donc, comme au courant, l'état a eu changé. Les milliers de feuilles noires résonnent-elles des cigales chantant à la mémoire du président. Philippe Serres a commenté des centaines de fois les oranges et bleus. Mais ce soir, une page se tourne. C'est terrible de lire Loulou, nous ne t'oublierons jamais. Les supporters de Butte Paillade déploient à l'instant une exceptionnelle banderole. Oh les gars, faites passer doucement. Ça c'est bien, ça c'est bien. Allez, tranquillou, tranquillette. Et voilà, les tifos sous nos yeux, un peu embrumés, je ne vous le cache pas. Le stade est noir et nos esprits le sont un peu. Il faudra bien que la vie reprenne son cours. Mais merde! Son nom rappellera à jamais une époque quand les équipes traversaient le temps avec un visage, une voix. Magnifique but de Souleymane Camara, le plus âgé des Montpellierens, 35 ans Souleymane Camara. Le doyen qui lui dédie son record de meilleur buteur de l'histoire du club en Ligue 1. Puis les tribunes décident de sacraliser la minute 74, date de création du club et l'âge de la mort de son fondateur. Pour ce soir et pour tout le temps, on veut une minute d'applaudissement à toutes les 74e minutes. On se lève le stade là. Levez-vous. Dans un ultime instant de recueillement, les joueurs, le staff et les ultras réconfortent Laurent, le fils du président. C'est bien un Nicolin qui veillera sur le club, même si le patriarche a du mal à laisser les siens. Monte-la.
En près de 50 ans, Loulou a fondé une famille, celle de la Mausson.